Yop tout le monde, c'est Mlorsat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Comme d'habitude, on se retrouve pour la petite quotidienne des richesses perdues, donc les petits coffres. On est actuellement au cinquième jour sur 6. Donc comme vous pouvez voir, si je vais dans événements, richesses perdues, il reste 8 jours, mais bon, voilà. On est à la zone 5, il y a deux trésors cette fois-ci, parce que c'est pas sous l'eau, c'est sur la terre ferme, donc c'est à la forêt d'Erenite. Bon là, il n'y a pas de secret, vous savez tous où c'est. On va aller directement sur la carte. On va aller à Fontaine et la forêt d'Irénite. Du coup, merde, ici, forêt d'Irénite. Donc, c'est vers ici. Comme vous pouvez le voir, on reconnaît le port qui était à gauche. Donc, on va prendre littéralement ce TP, je pense. Non, c'est pas ce TP. Je me suis trompé. C'était un peu plus vers la. Vers en haut du coup. Attends, je suis perdu là. Le gars il fait le connaisseur mais il se trompe de TP. Ah ok ouais c'est vachement proche en fait. C'est littéralement genre ici quoi, c'est vachement proche quoi. Quoi? Les gars je suis du père là. C'est sous l'eau? Mais non. Ah oui. Ok, pardon, my bad. Donc on prend le gadget comme d'hab. Est-ce qu'ils l'ont mis à l'intérieur ou en haut du coup? My bad, j'ai bégayé un peu là sur cette recherche. Pourtant c'est assez simple. Alors est-ce que c'est en haut ou en dessous? C'est ça que je me pose comme question. Logiquement c'est en haut parce que le cercle jaune est en haut quoi, littéralement. Ouais c'est bon, il est derrière le buisson comme d'hab. Désolé pour ce moment où je me suis un peu trompé. Putain, je le voyais un peu plus loin le truc, tu vois, mais c'était vachement près en fait de la rive. Enfin bref, donc le premier est là, le deuxième est juste un peu plus loin sur le tronc d'arbre et le dernier se trouve dans les buissons, j'imagine. Ou pas. Ah ok, il est sur le toit. Bon, on va faire un peu de combat du coup. Voilà. Ils vont pas me saouler. Donc on monte. Voilà, 3 sur 3. On va aller directement chercher le trésor hein, je pense. On aurait pu chercher les deux autres d'abord mais bon on va direct prendre le trésor comme ça c'est fait. Donc le premier qui se trouve là. Ah non pardon, il y a un défi à faire bien évidemment. S'il y a le défi à faire, donc c'est juste suivre les petites lueurs violettes tranquillement, il n'y a pas de. Ah il faut grimper. Yep, yep, yep. Voilà, comment faire pour avoir les deux? Ah mais il y avait un. Ok, il y avait un truc qui vole, j'avais pas vu. Pardon, my bad. On va retourner dedans du coup. Je l'avais pas vu frère. Ok, plus simple du coup. J'avais pas vu le bail. Bon, c'est pas très grave, le temps il est assez large, donc franchement tu peux prendre ton temps assez facilement, hein, sans problème ici. Hein. Franchement, c'est plutôt worse. Enfin, plutôt worse, ça veut rien dire. C'est plutôt tranquille, quoi. Ça veut rien dire, plutôt worse, frère. Qu'est-ce que je raconte? Je vais faire mon anglais, mais je me trompe dans les définitions, frérot. C'est aucun sens, le garçon. On va devoir encore improviser un combat. Bon, on n'est pas obligé, mais voilà. Ah, tu sais quoi, je les laisse en vie, hein. Hop, le dernier il est là. Ouais, je suis trésor, il est giga loin. Silence.
Enfin, giga loin, je suis dans la bulle, hein, mais... Hop là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer les bonhommes, c'est tout, ok. Franchement, c'est assez cool, hein, parce que c'est vraiment simpliste de ouf, quoi. Donc vous avez compris, hein, du coup, demain, il y aura un trésor. Et ça sera le dernier demain, hein, du coup. Je suis giga long, frère, j'abuse là. Bon, ça va finalement. Hop là, c'est fini. Et hop, on récupère le petit trésor. Bon, aujourd'hui, j'étais un peu moins expressif que les jours précédents sur ce petit coffre, mais bon. Voilà, on a récupéré. Donc, comme d'hab, on a des petits points à utiliser. Donc, on a 100. Hop, hop. Et là, il nous reste 70. Bon, j'avoue, les trucs comme ça, je sais pas si je vais devoir les prendre. Enfin, je sais pas, vous devez avoir terminé l'exploration aussi. De toute façon, il faut faire le 6. Mais après, à quoi ça sert, tu vois? Enfin bref, aujourd'hui, pas de vœux, je pense, hein, parce qu'on a eu notre... Oh, il nous manque deux primos. Ah ouais, j'avais deux vœux comme ça, là, les normaux, hier, mais je les ai utilisés dans mon coin, et je me suis dit, oh, ça va passer, quoi. Il manque deux primos, littéralement. Bon, on a déjà Navia, on a déjà Yaka, donc en vrai, de vrai, je m'en fiche un peu de faire des invoques. Je pense que vous allez pas m'en vouloir si j'en fais pas. Parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre, en fait. D'avoir, du coup, de faire des invoques. Là, je vais plutôt garder mes primos, hein, pour d'autres bannières. Sauf si je fais les bannières d'armes, pourquoi pas. Bannières d'armes, pourquoi pas. Attends, je vais juste vérifier. C'est qui en armes, déjà? Ah ouais, il y a quand même... Ouais, il y a le reflet de... L'arme de Raiden, donc c'est vrai que ça peut être pas mal d'invoque dessus, quoi. Mais bon, il reste 3 jours, j'aurai pas le temps. 3 jours, je vais pas vomito. Vu que je gagne très peu de primo, en fait, ces derniers temps. Parce que j'ai tout fait, en fait. J'ai rien à faire, en fait, en primo. Si, des petits succès, peut-être, qui peuvent me donner des primo. Mais bon, c'est 10 en 10, quoi. 5 en 5, donc bon. Regardez ma liste de trucs à faire. Je vais pas vomito que... Là, je suis en train de faire celui-là. Non, merde. Celui-là. Vaincre toutes les combinaisons, mais je suis à 2 sur 4, vu qu'il y a 4 combinaisons. Donc il faut jouer tous les jours, quoi. Donc pour pas oublier, en fait, ce que j'ai fait là, hier, c'est qu'en fait, vu que je l'ai fait le plus tardivement, en fait, j'ai respawn directement sur le boss, tu vois. Donc je vais faire ça, je pense. Dès que je quitte le jeu aujourd'hui, je vais cash au boss, comme ça, quand je rallume le jeu demain, je serai cash dessus et je le fais instant, c'est celui-là, hein. Je pense que je vais faire ça, hein. C'est la technique. Hein. Si vous oubliez de jouer, les gars, faites ça. Hein. Vous vous connectez. Au moment où vous allez quitter, vous restez sur le spawn du boss. Comme ça, vous n'oubliez pas que vous devez le faire. Le lendemain, vous vous connectez. Bam. Vous êtes déjà dessus et vous le faites. Tout simplement. Je pense, si vous êtes comme moi, un peu bébête, et vous oubliez de faire les boss, franchement, faites-le, quoi. Vous déconnectez en étant sur le boss, comme ça. Le lendemain, vous oubliez pas. Et ciao, tu vois. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez plus cette petite partie 5. On se retrouvera déjà demain pour la dernière partie, la zone 6. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et à vous me rejoindre sur les réseaux sociaux si ça vous plaît également pour me poser des questions ou demander à jouer avec moi. Il n'y a aucun problème, donc voilà. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur les réseaux Instagram, Snapchat et Discord, bien évidemment. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao.